Pour ce qui est de la compréhension, de comprendre la peinture, pour moi c'est antagoniste. Il n'y a pas à comprendre analytiquement la peinture, il y a d'abord à la ressentir. Donc je ne peux pas expliquer exactement ce qu'il y aurait à comprendre dans mon travail. Il n'a rien d'analytique, il n'a rien de didactique, il n'a rien de conceptuel. Il est émotionnel, il est sensoriel. People ask me where's the inspiration from, but sometimes there isn't any real inspiration at all. It just, the process of painting provides the inspiration. So it develops as it goes, and I never know how it's going to turn out. And because I paint pretty quickly, you can have accidents happening with some paint dripping down or something, and I might correct that. And sometimes an accident, you just leave because it's nice.